Plaisir d'être là, mesdames et messieurs. Pouvez-vous applaudir? Déjà, on est complet ce soir. Oui! Oui! Ah, j'adore! J'adore, on aime bien. Ça va, mon ami? J'ai vu que tu avais un petit peu mal à t'installer. J'ai vu que c'était arrivé pile poil à l'heure. C'est vrai, t'es venu avec qui, toi? Avec ma copine au-dessus. Super, bon, on l'embrasse en tout cas. Alors, la copine, il reste une place à côté de toi? Bon, bah, quelqu'un l'a déjà pécho, frère, j'ai l'impression. C'est vrai, il n'y a pas deux places, peut-être où on veut s'arranger. Moi, je veux que tu passes un bon moment. Pourquoi tu étais en retard, du coup? Il s'est passé quoi? L'alcool a pris le dessus. L'alcool a pris le dessus. Ouais. Super, d'accord. Je sais pas si ça me vexe elle ou moi, je te le dis, mais... Parce que tu étais en train de boire un coup et elle n'était pas là. Si, elle était là aussi. Mais pareil pour elle. Moi, je suis en train juste d'imaginer la scène, elle. Mais on est en retard, dépêche-toi, dépêche-toi. Et toi, c'est bon, ouais, autre humoriste de merde. Et là, t'as eu l'air un peu d'un con, c'est exactement ça, voilà. Si jamais il y a deux places qui traînent à côté de vous, peut-être. Oui, bah de toute façon, allez-y. Hein, Moi, je pense à la fille avec qui t'es venue qui s'est dit « Et ma pote n'est pas encore arrivée, elle va se faire défoncer. » Ça va ma chérie, t'es aux toilettes? C'est ça, bah écoute, on est très heureux de le savoir finalement. Voilà, voilà, t'es venue avec qui toi? Oui, bah oui, du coup, je te parle toujours de... Toujours la même conversation qui ne s'est pas arrêtée finalement. Famille derrière les quatre, là on est sur une petite famille entière là. Oui. Voilà, oui. Le daron posé comme never, il est allongé le monsieur. Et oh, bah, ouais, ça c'est une belle fin de journée ça. Ils m'ont emmené voir un mec que je connais même pas. C'est oui, j'ai capté votre langage corporel monsieur, dit c'est exactement ça, voilà. Il y avait autre chose à foutre de mon samedi soir, genre boire des bières avec lui peut-être. Ça va les filles, vous avez quel âge vous, les filles au milieu là les... Combien? Vous savez ce que je fais comme humour les parents? Le daron dans 5 minutes il est réveillé, je vous le dis. Dans 5 minutes, oula oui, c'est super choix chérie, bravo. Bravo chérie. On continuera à suivre tes idées pour l'éducation de nos filles. Allez-y mademoiselle, allez-y, de toute façon. Vous étiez aux toilettes? Tu l'avais croisée ou... Elle a été un peu plus longue, si elle passait juste après toi, c'est... Alors je vous ai dit, moi je viens de Normandie, il y en a peut-être certains qui viennent de Normandie peut-être ce soir. Je ne sais pas si j'ai envie de te parler, sache-le, je... Première fois que j'ai cette réaction en un an. Yes, oui! Oui! Tu viens d'où alors, toi? Rouen. Ah, bon, moi aussi, tu sais? Oui. Je viens de Montville. Tu connais Montville? Oui. Hein? Mais on se connaît ou? De Kenny. Ah ouais, on est en Normandie là, j'ai senti. Là, elle m'a sorti une expression. C'est vrai, t'es dans quelle année, toi? Peut-être on était au collège ensemble ou ici, peut-être on. Oh, c'est gentil. Ok, c'est une vieille, c'est une vieille, c'est une vieille, c'est une vieille. T'étais à quel lycée, toi? Ah ouais, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Je crois qu'ils l'ont détruit depuis, ils l'ont détruit. Voilà, je suis quand même rentré en 77, moi. Oh, monsieur, vous avez fait quoi? Ouais, vous, ouais. De quoi? Histoire. Histoire, et aujourd'hui, vous êtes? Je travaille dans les transports. Dans les transports. Ouais, histoire géo, bah c'est bien, vous voyagez finalement. Vous... Là-bas aussi, monsieur, vous avez fait une fac de quoi, vous? Ouais, vous, ouais. Fac de droit. Fac de droit, et aujourd'hui? Bah, je travaille à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez vu, la voix était différente, vous avez vu? Limite, il a fait... Faculté d'Aix-Marseille, petit con. Et là, il dit, oui, je suis à l'entretien. Je... Alors du coup c'est bien, vous êtes quoi, c'est quoi, vous faites des cours? Non, je suis responsable administratif et financier. Vous êtes au secrétariat quoi. Faites quoi vous dans la vie monsieur allongé vous? Musicien. Musicien? Oh, pour ça vous êtes détendu. Un artiste, c'est quoi vos instruments? Guitare. Guitare, ah ouais? Vous jouez au Festival d'Avignon là? D'accord. Si jamais, moi, si c'est pour vous faire un coup de pub, vous êtes dans un groupe, vous êtes dans... Ouais, j'accompagne des cassos. T'accompagnes des cassos? Ouais.
Il a dit ça, non mais il a dit ça, oui. C'est ça que vous avez dit. J'espère qu'il y a un chanteur qui est là, qui va faire. Merci. Vous avez bien dit Cassos. Ouais, ouais, ok, super. Ouais, okay. Beaucoup de respect pour les... pour cette équipe, finalement. Alors... Il m'a dit, ouais, il chante ta merde. Hein. Enfant des parcs, gamin des plages. Ouais. Sur la dune du Pilar, ouais. Les saisons, les photomatons. Je peux faire toute la chanson, tout l'album, hein, mais voilà. Il y a le plus connu que tu as accompagné comme Cassos, c'est qui? Ah, parce qu'il est connu, genre. Les filles, regardez que moi, les filles. Il a accompagné qui, papa, comme chanteur? Je peux pas dire. Mais c'est mon mari. Ben, je sais. Ah oui, oui, je vois. Mais j'avais compris, madame, hein, j'avais compris. Non, mais je parlais à la petite de 11 ans, parce qu'elle, elle va balancer. Alors... Ah, il fait la guitare avec qui, ton papa? Tant que j'ai pas de réponse, je reste comme ça, je vous le dis. Ah. Non, allez, au moins une petite anecdote, un petit... Le pire du pire, je peux pas dire. Non. Le pire teaser, le pire du pire, je ne dirai rien. Mais il y a des gens connus. Ah oui. Ah ouais, genre, très connus. Genre, vous êtes un guitariste de fou, alors? Non, un guitariste de fou. Si on vous ramène une guitare, vous pouvez faire un petit... Non, merci. Super. Après, je t'avoue que là, j'ai checké, il n'y a pas de guitare, donc... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Moi, si on peut chanter, on se fait un petit feu de camp, on fait un petit truc. Monsieur, un petit truc vite fait ou... Vous n'êtes pas assez des Cassos pour lui. Bon, monsieur, je ne vais pas vous embêter. Oui, ben, j'ai compris, merci. J'ai bien laissé les filles. Allez, papa. Et lui, non, non, j'y réponds, mon fou. Il me paye au moins. Et mon producteur, là, on fait un cachet, monsieur, je vous le dis. Ah, là, ça l'intéresse, là. Combien cachet? Ah, bah voilà. Qu'est-ce qu'il vient foutre une guitare là-haut, d'ailleurs? Il y a des gens qui ne connaissent pas, ils vont dire « tout était prévu, genre il y a une guitare là-haut. » C'est à qui la guitare? C'est la mienne. Mais tu joues au Festival d'Avignon, tu fais un... Ouais. Tu joues dans quoi, toi? Fais de la pub. Je fais de l'improvisation chantée, on fait des musiques improvisées. J'adore. C'est musique. Non mais les gars, c'est pas un incroyable talent, on va se calmer. Hein, ouais. Parce que là, si ça commence comme ça, dans 20 minutes, il y a un gars « moi je fais des claquettes !» Ah, pas fini. Après, ça va partir. J'ai su faire ça en quatrième, voilà. Yeah. Ah, moi, je vous kiffe. Mais après, moi, j'ai quand même une structure de spectacle. On va faire n'importe quoi non plus. Je veux bien, on verra si on a le temps à la fin. On fera peut-être un bail, mais... Je vois tous les gens qui trépignent, là. Attends. J'ai appris 2-3 chansons il n'y a pas longtemps. Peut-être la chance de ma vie, finalement. Il y a peut-être un truc. Attends, j'imagine tous les mêmes. Attends, toutes les semaines, j'espère que je vais voir des mecs avec des diabolos. Allez, je suis prêt. Je fais bien le diabolo, putain. Je vois d'autres humoristes, des artistes, des chanteurs. Tu sais, ils sont un peu des fois torturés, des artistes torturés. Kenji. Il y a Kenji ou il n'y a pas Kenji? Non, t'as pas tiré. Oula. Mais t'as déjà fait du... Non, pas lui. Moins Cassos, quand même. Vous êtes très amoureux. Vous vous êtes pas lâché du spectacle. Je vous adore. Combien de temps vous êtes ensemble, vous? 29 ans. 29 ans. J'adore. Comment vous êtes rencontrés, vous? Au bord d'une piscine. Mais c'est lui qui est venu te draguer? C'est elle.
En plus, allait faire une fontaine, au bord de la piscine, il y avait des vagues. Allez, je vais finir ce spectacle parce que là, sauf si on a des infos de dernière minute peut-être qui peuvent tomber, toujours pas. Alors après, qu'est-ce que t'appelles Cassos? Dans le style musical ou les gens sont méchants? Non, la musique, ça fait longtemps, c'est pas longtemps en France. Ah ouais. C'est quoi ton style de musique, toi? Tout sauf ce qu'il y a à la radio. Tout sauf ce qu'il y a à la radio. Les filles, vous écoutez quoi comme musique, vous? Pareil que papa. Pareil que... Ah oui, oula. On va vous libérer, les filles, on va vous libérer. Hein? Dès ce soir, Joule. Une heure de Joule. Well, I miss... Vous connaissez Joule, les filles? Vaguement. Ah oui, vous êtes vraiment sous l'emprise d'un homme... Non, mais vous pouvez une détente. Vous pouvez rigoler, vous allez voir. Je vous remets en cage ce soir, je vous remets en cage. 3 heures de Rolling Stone par jour. J'aime rendre ce moment un peu unique, c'est-à-dire chaque spectacle, évidemment, une trame et des blagues écrites. D'ailleurs, le spectacle, d'ailleurs, si vous voulez vous revenir le voir, il évolue tout le temps. J'écris des blagues tout le temps, tous les jours. Donc, évidemment, il y aura des nouvelles blagues, des choses que vous allez connaître, mais des nouvelles blagues et, évidemment, des improvisations tout le temps du temps.